السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أولا أهنئ تلاميذ السنة الرابعة المتوسط على اجتيازهم لامتحان الشهادة شهادة التعليم المتوسط طبعا الآن سوف نرى تصحيح امتحان اللغة الفرنسية بيوم دو سوجي دو فرونسي سوف نصحح الأسئلة بعدها ننتقل إلى الوضعية الإدماجية الجيد في الأمر هو أن الموضوع كان كما توقعنا يعني قلنا ليس كالسنوات السابقة، الوزارة ستراعي الظروف، سيكون من البرنامج، الموضوع من البرنامج، سواء لو بروجي أن سوا لو بروجي دو، والحمد لله كان كما توقعنا. التلميذ المتوسط يمكنه أن يعمل بارتياح في هذا الموضوع، هو ليس موضوع سهل وإنما موضوع في المتناول، في متناول تلميذ متوسط، على بورتي دو ليلاف موين. التلميذ الممتاز يعمل بأريحية كبيرة، il peut avoir 20 sur 20 بسهولة حتى بو لا بروديكسيون إكريت، سي ديجا في، on لا فيت. Je l'ai publié il y a deux semaines, je dans rédiger une bonne production écrite, je vais pas lire le texte, bien sûr, parce que vous l'avez déjà lu, yani, bienvenue en Algérie al La première question, le titre de ce texte est une incitation à, c'est-à-dire yani la protection de l'environnement, non, la découverte de l'Algérie, oui donc, c'est ça la réponse. Le titre de ce texte est une incitation à, à la découverte de l'Algérie, bien sûr. Deuxième question. Dans ce texte, l'auteur évoque quoi Il évoque plaisir, plaisir, région de l'Algérie. C'est ça la question. La partie nord, la partie sud. Ou bien, plaisir région. Ce n'est pas la partie uniquement la partie noriane. Les Sechamel tous les Sechamel plusieurs Plaisir région, parce que regardez le texte. La Kabylie, Rardaya, Tamrasset, etc. Donc, la réponse est plaisir région de l'Algérie. La question suivante, 3, relève dans le premier paragraphe la thèse défendue par l'auteur. Parce que la thèse, on la trouve généralement dans, ou euh, toujours plutôt, dans le premier paragraphe. C'est ça, le premier paragraphe. C'est ça le premier paragraphe. La thèse défendue par l'auteur est l'Algérie est l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. Donc, c'est ça la thèse. Réponds pas vrai ou faux. L'Algérie offre aux touristes des paysages variés. Bien sûr, c'est vrai. Les touristes ne s'attachent pas à l'Algérie, c'est faux. Dans le texte, on dit le contraire.

Il y a et bien, il une expression, donc le synonyme c'est un adjectif. soit un synonyme, soit un antonyme. Si vous avez un adjectif, cherchez dans le texte un adjectif. Si vous avez un verbe, cherchez un verbe. Si vous avez un nom, cherchez un nom dans le texte. Bon pour le tableau, classe les expressions dans le tableau. Vous avez patrimoine historique, y a ou tabi, Patrimoine naturel, vous avez comme patrimoine historique, les tombeaux de rois berbères, ber, y a né l'adrehat molouk l'qabayliya, et c'est romaine. a donc ça c'est historique. Côte algérienne, Sahil immensité désertique, c'est naturel aussi. 7. Relie les éléments suivants de façon à construire trois phrases correctes. Ça veut dire tu écris ces mots comme ça et tu relis par des flèches, يعني تربط ou تكتب الجمل par exemple tu écris comme ça. Alger, بجاية et Oran sont des villes côtières. Ghardaïa est la porte du désert. Tamanrasset est la capitale des Touareg. أما بالنسبة لمن يعني 8. So, la redécouvrir encore et encore et y revenir parce que c'est un pays sublime. La première question, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase C'est la preuve. Donc, la réponse, c'est très facile, c'est très simple. La redécouvrir encore et encore et revenir parce que c'est un pays sublime, le rapport logique exprimé dans cette phrase est tout simplement, est la cause. Yannis, Réécrire la même phrase, c'est quoi la question On va vérifier. Exprime le même rapport d'une autre manière. Exprime le même rapport d'une autre manière. Tout simplement, tu fais quoi Tu effaces le mot parce que et tu le remplaces par le mot car. Et tu auras la phrase suivante. La redécouvrir encore et encore. Et y revenir car c'est un pays sublime. C'est ça la deuxième réponse pour la deuxième question. Conjuguisons. Neuf. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Crique plage. Crique plage de sable fin chanteront les adeptes du Farniante. A. Ah, à quel temps est conjugué le verbe souligner? Il est conjugué. au futur simple bien sûr parce que c'est le verbe enchanté c'est le verbe enchanté. C'est ça le, le verbe à l'infinitif. Vous voyez le verbe à l'infinitif auquel okay, nous avons rajouté la terminaison. On a le futur simple, on laisse le verbe à l'infinitif. Premier, deuxième groupe. On laisse le verbe à l'infinitif et on rajoute les terminaisons du futur simple. Donc c'est le futur simple. réécrit. la phrase, la deuxième question, B. Réécrit la phrase au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Donc tu fais quoi Tout simplement, tu effaces le ER. Et tu mets au lieu de o un e donc et tu auras la phrase criques et plage de sable fin pardon enchante les adeptes du Fanion. c'est très simple dans un titre un autre titre au texte vous avez quoi comme titre ici vous avez le titre bienvenue en Algérie donc vous le remplacez ou bien vous proposez un deuxième titre ça sera par exemple

Le charme et la richesse du patrimoine naturel، culturel et historique d'une ville ou d'une région de ton choix. Tu peux donner 3 arguments. واحد في تتحدث عن التراث الطبيعي، بعدها الثقافي 3 arguments suffisant. تمرنا على هذا كثيرا. ونشرت فيديو سابقا، قلنا قبل اسبوعين من اجتياز الامتحان، تركت لكم حتى رابط تحميل الوضعية الإدماجية. هذه هي الوضعية تركت لكم اقتراحين. À la على دالجي وقلت لكم ايضا في امتحان الشهادة يترك لك الخيار يعني لا يق... لا يقيدك بمنطقه ويقيدك بشخصيه مثلا يقول لك دو الذي يسكن في العاصمه مثلا ولديه ما يتحدث عنه عن العاصمه يقول مثلا على ديكوفيرت دالجي الذي يسكن في القبائل نفسه الذي يسكن في الصحراء او في الشرق يتحدث عن المنطقه التي يعرفها جيدا وتمرن عليها مع الاستاذ في القسم دونك بو في باغ اكزومبل فير سا لا ديكوفير دو ران اوران اي لون دي بلو بيل فيل كوتيير دو لالجيري اي سيلا بور بليزيور ريزون دونك اذا كنت حافظت واحده من هذه او بالاحرى تمرنت و كتبت نفس الوضعية الإدماجية فستكون لك العلامة كاملة إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تكون العلامات مفرحة مثلجة للصدور تفرحون أنتم ونفرح نحن ونلتقي في قريبا إن شاء الله في برنامج صيفي ثري وقوي لتحسين المستوى في اللغة الفرنسية إذا كانت لديكم اقتراحات اتركوها لنا في التعليقات كالعادة سوف نأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله وإلى اللقاء في فيديو آخر قريب عن قريب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته